demande de la discipline. Oui. Alors on pourrait attaquer cette armée là, puis ensuite attaquer le bourg, ou même les attaquer d'un coup, d'un seul, les deux. On va voir, parce que ça risque d'être une grosse bataille, donc on va s'en occuper ensuite. Qu'est-ce qu'on aurait ici? La croissance de population. Je suis pas super fan de la croissance de population, moi. Ça, c'est quoi? On va le démolir, ça. Croissance de population, je m'en fous un peu, en fait. Par contre, ça peut être intéressant, mais on verra ça ensuite. Ce que j'ai à faire déjà, parce que j'ai lui qui vient faire je sais pas quoi là. Toi va mourir. Pas de rebelles dans mon empire. Nos ennemis sont terrassés. On nous a fait 315 pertes, qu'est-ce que. Et j'ai une armée en moins. Comment ça se fait? L'honneur se fait bien rare. Ah, d'accord. Pour la justice. Dis-toi, tu es fortement déplaisant. Donc nous allons lancer la bataille et t'expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça. Remarque, tu as presque tous les territoires du jeu, c'est un peu ça. Bah au moins, une fois qu'on a tous les territoires du jeu, il n'y a plus d'adversaires. On est empereur et personne ne se rebelle, quoi. Puis s'il y en a un qui essaye de se rebeller, tu mets une épée entre les deux yeux. Voilà, c'est... Au moins, c'est clair comme message, quoi. Ils ont quand même pas mal de cavalerie sur cette armée-là. 3 unités de généraux plus 4 armées unités de cavalerie. 6 unités d'archers, donc assez peu d'infanterie. Donc il y a moyen qu'on fasse un petit massacre agréable. Donc on va juste se décaler légèrement. Sa cavalerie est de ce côté-là, donc on va... On va mettre la cavalerie à l'arrière et on la déplacera ensuite. Voilà, ce qui sera parfait. Comme ça, on saura de quel côté bouger notre cavalerie, nous. Alors, je ne sais pour quelle raison le son du jeu saute, ce qui est très agréable. Non, on va garder le tir standard, pas besoin de des tirs enflammés, on fera largement ce qu'il faut de ce côté-là. On se met en première ligne. Bouclier. Lancier. Tortue. Et vous ne tirez pas tant que je ne vous le demande pas. Allez les gars, on avance. Oui, discussion classique, ouais. C'est sûr qu'une fois qu'il n'y a plus d'armée, on peut discuter tranquille, ouais. C'est comme il n'y a plus d'adversaire, on peut argumenter en paix. Mort d'un côté, 21 de l'autre. Oui, bon, on est un peu mauvais là, non? Là, c'est mieux déjà. 41 morts. Fait 35 morts tués sur un deuxième tir. Là, on s'explique mieux là. L'ennemi s'enfuit! Les lâches! Ok, ça c'est bon ça. Ouf. Oh bah ce qui s'est pris le général là. Ouais. Il s'est pris un petit peu je crois hein. Je suis pas tout à fait sûr mais je crois qu'il a pris un petit peu. Les guerriers ennemis déguerpissent. Ah.
Les pauvres guerriers armés de J qui demandent rien à personne et qui s'en prennent plein la caboche. Bon bah lui il a le général qui est mort hein, je crois. Bon on sera pas trop gêné j'ai l'impression par par l'infanterie adverse en fait. Je suis pas tout à fait sûr mais je crois que les lâches. Lancez les projectiles. Catapulte, décimez-les. Aux armes. Plus vite. Dépêchez-vous. Préparez les catapultes. Catapultes aux ordres. Bon bah ça devrait aller. Notre victoire approche. Ouais on va même charger leur cavalerie. Prêt. Ah ouais ça se passe pas nickel hein. J'aime bien, ils essayent de charger, tu sais, mais au milieu d'un peloton d'exécution. Les gars, vous avez pas tout compris, je crois. L'ennemi s'enfuit, les lâches. Je vois pas pourquoi. C'est vraiment étrange. Bon, on peut terminer la bataille, hein. Je pense que même pour suivre l'adversaire à ce niveau-là, c'est même pas nécessaire. On va aller récupérer les territoires perdus, on va refaire la marche en avant, hein, il y a un moment. Et on était avec une unité de moins, qui est en train de se refaire. Le ciel nous sourit. Trois pertes. Oh la blague. Vous avez que deux possibilités, me tuer ou me libérer. Ils doivent répondre de leurs crimes. Ouais, tu vas mourir, c'est tout. Parez au combat. Oh, parce qu'il y a un moment, faut arrêter. Hein. Oui, la cité, là, tu vas la remonter, par contre, s'il te plaît. Oui, bien. Et ça, c'était pas Liu Bei, donc. C'est qui? Non, c'est le royaume de Yan, d'accord, ok. L'autre il est pépère, il a désarmé. Restaurer l'autorité. Et j'avais cet homme là, d'accord. Soldats! À la guerre! C'est fait! Hardy! Ok. Auxiliaire obtenu. Arc composite. On va peut-être pouvoir faire aussi un peu le tour des équipements de tout le monde au besoin. Même si ça va peut-être pas s'avérer. La vérité est un feu inextinguible. Aucun feu ne brûle éternellement. Ouais, pareil. Toi, est-ce que tu peux avancer encore un petit peu? Oui. La paix par la conquête. Ok, tu peux pas, d'accord. Donc on avait dit cet homme-là. Alors à savoir, est-ce qu'on attaque cette armée-là? Oui, on va attaquer la ville plutôt directement. On va lancer l'attaque. Il va devoir défendre la ville, de toute façon il n'aura pas le choix. Victoire de justesse, j'adore. Oui, bah oui. Tu penses bien, avec deux hommes perdus de plus, on en perdait la bataille, quoi. Nul ne nous arrêtera. Surtout pas ces risibles poltrons. Ah bah ça. La nature expire à petit feu. Et nous, donc. Combattez avec sagesse. Et triomphez. Oui, sans problème. Merci. J'adore, c'est que des fois, t'as des généraux qui sont un petit peu pessimistes. Mais en fait, tu tapes tellement dans le tas que... On a un peu les meilleures armes du jeu, les meilleures armures du jeu. Bon, ça va. Je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre. Par contre, il n'y a personne qui chante hein, dans l'armée adverse. Ils n'ont pas trop le temps. Est-ce que ça vaut le coup? Parce
Parce que c'est vrai qu'on détruit cette armée là, on est pas mal, mais de toute façon ils vont essayer de nous flanquer, donc je pense qu'on va pouvoir se mettre comme ça. On va garder l'archerie, etc. La cavalerie ici, en première ligne. Parce qu'il n'y aura pas spécialement besoin, je crois. Et de toute façon, après, au pire, on foncera avec la cavalerie. Eux, ils vont nous foncer dessus. Hein, ça, c'est à peu près assuré, de toute façon. Et on n'aura plus qu'à se retourner et attendre l'autre armée là-bas. Je veux juste pas me... Ah, quoique. On va se mettre... plutôt là. Parce que j'ai pas envie de... Alors, la cavalerie, s'il vous plaît. Voilà. L'archerie. Ok. Peut-être garder 4 unités pour l'instant devant. 4 unités derrière. Là, ça va être un peu chaud, peut-être de leur tirer dessus. Je fais, ouais, je fais pas super, ça me fait pas super plaisir mon placement. Archer, au garde à vous. Au garde à vous. Arche, aux ordres. Voilà. Préparez-vous! Ils nous ont vu! Non, ils nous ont vu, sans blague. Alors, toi déjà, et tu arrêtes ton tir. On va accélérer un peu. Ok. Et est-ce que ça débarque en face ? Ne sont plus cachés. Bah, le but c'était pas vraiment de se cacher à la base, hein, mais L'ennemi s'enfuit, les lâches. Par contre, les archers, vous allez arrêter vos tirs. Hein. Pause. Oula, oui. Ah oui, d'accord, ils foncent sur des protecteurs des cieux, quoi, c'est même pas peur. Bon, bah les gars, si vous sentez fort, hein. Ok. Ça, d'accord. Ça fonce, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, allez, allez. Feu. Préparez-vous. Non mais les gars, c'est n'importe quoi, mais arrêtez.
Arrêtez cette IA dissidente. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Bah oui, mais tu veux qu'il fasse quoi? J'ai des unités qui font de l'effroi. Pas de quartier. Protecteur des cieux. Écumé de rage. S'il vous plaît. Ah d'accord, oui c'est vrai que j'ai arrêté mes archers, mais en fait, allez-y, tirez. Hein. Bon les gars, je crois qu'on n'a pas combattu en fait. Je suis pas tout à fait sûr. La peur, on connaît pas, non, pas trop le temps. Si le streamer pouvait éviter aussi de chanter, ce serait gentil. Oh, ça va. Genre je chante, oui bon pas forcément très bien mais fait ce qu'on peut pour être une casserole quoi, que voulez-vous. L'autorité est rétablie. Bon au départ on devait la perdre hein, cette bataille donc bon. Nous devons jeter les bases de la reconstruction. La clarté ouvre la voie vers ok la ça c'est un grand bourg, ça fait quoi? Convertir ça fait quoi? Croissance locale mais on s'en fout ça en fait. Il y a des trucs mais c'est n'importe quoi. Bon bah c'était censé être une grande bataille. On est content. Alors Baxi. La population n'est pas contente. Bon bah on va améliorer ça. Dans 5 tours ça ira mieux. Fooling. Alors c'est les ateliers privés, non, c'est pas les ateliers privés. Atelier d'État, non. Non. C'est ceux-là qui baissent la corruption, oui, donc c'est ça que je veux construire, merci. Gaolian, corruption moins 15%, ça me paraît crédible. Oui, augmente. Baisse encore la corruption. On a 45% de corruption sur certains territoires, c'est correct. Allez, montons un salon de thé. Salut à toi, JWSC11. Oui, ça va bien, merci. Alors, apparemment, on aurait des problèmes. Mais... et merci pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté. Bon, bah, on devrait être pas mal. Allez, on passe le tour. Je crois que j'ai vu un siège qui durera 25 tours. Je crois qu'ils ont le temps hein, en fait. Ah, ciao, ok. On va s'occuper de Machao, on va aller lui expliquer qu'il faudrait qu'il se rende. Ok, nous sommes naissance d'un noble, le père Liu Feng, Sun Lanying. Ok, donc c'est un membre de la famille qui vient de naître encore une fois.
Mort naturelle de Kyoryu. Très bien. Donc si on regarde la famille, hein, on a donc une nouvelle naissance. Sun Lanying et Lion Wufang. Ok, donc ça c'est bien. Une fille de Sun Tse qui vient de naître. Enfin un enfant. Oui, la fille de Sun Tse qui a un enfant, pardon. Siège et blocus. Alors déjà, c'est quoi ce siège? 6 tours. Et qu'avons-nous là? C'était pas ce que je demandais. Ah si, d'accord, la garnison, il y a... Oh, on devrait être tranquille normalement. Ils passeront jamais avec tout ça. Donc pas de soucis majeurs. Ça c'était quoi? Un bureau du trésor, oui, parfait. La prudence bride les élans de l'âme. Ouais, À la si tu le dis, guerre! ouais. Ce n'est pas possible. Ouais, on est arrivé jusqu'à elle sans avoir à se battre. Bah, c'est parfait. Alors, on avait dit continuer de En pleine monter. marche! Et là, on a une armée à faire augmenter. Suivez votre cœur. Parfait. Chemin bloqué. Chemin bloqué, chemin bloqué. Appelle-moi Sam, c'est plus facile. Pas de soucis, il faudra juste que je le retienne. Ça sera pas contre toi, hein, mais fais des efforts. Aux Alors, armes! toi déjà. Les gilets jaunes. On L'autorité les écrase ceux expulse. qui la rejettent. Ah non, c'est des turbans jaunes, pardon. Vous n'avez pas de gilet encore à l'époque. Exécution! Bah ça c'est bien. Alors après, est-ce qu'on aura besoin d'aller chercher le port de pêche tout de suite? Non, on va aller chercher l'outilleur. Plus intéressant. Plus intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme armée? Ça c'est quoi? C'est méchant? C'est quoi? C'est méchant. Ok. Bon, ça devrait être pris en théorie. Toujours loyaux. Préparez-vous. Certainement pas. Une tunique de divination, ce qui serait intéressant, oui. De toute façon, on a deux territoires à prendre, hein, Zhongshan et Dai, et après on a gagné la partie. Donc de toute façon, je pense que vers 21h... Je pense à partir de 21h, hein, franchement, pour U4, parce que là, il reste deux territoires à prendre, les tours vont se passer assez vite. Il n'y a pas de raison qu'on fasse trop durer de toute façon. À la guerre! Rassemblez vos forces! Sans repos, la volonté s'étiole. Ouais, pareil, pareil. Ça, ok. Le porte-commerce, ok. Ah, bah, c'est vrai que oui, c'est pour ça que ça s'avançait pas. Ok. Alors, il reste cette armée-là. Nous répandrons la loi. Écumez de Bah, nous, on va rage! prendre la cité régionale, hein. À la On va guerre! les détruire. Ça fera une faction de moins. Ils sont 900 quand même. Ils sont 900. On va faire le siège. On va faire le siège. L'idée, c'est de les faire Ils l'auront sortir et que cuit! nous, ils nous attaquent. Et tu vas jouer quelle nation? On est avec la France. Avec la France. Alors, Béhaï. Donc, bah, de toute façon, on avait...
ceci. Parfait. Bon, jungling, il y a un problème. Oui, c'est siégé, oui, pardon. On enlève la corruption. Jiaoxi, eh ben, tu vas augmenter. Ouais, il va falloir qu'on s'occupe quand même de la bouffe. Ouais, là, il y a du monde, ouais. Du Total War 3, je connais pas. C'est le prochain Total War qui sort, non? Production agricole, mine de fer plus 2. Mine de fer augmente. Parce que sinon on va se faire attaquer sur nos arrières. Allez, plus de nourriture. Voilà, comme ça on aura utilisé tout notre argent. On utilise 26k quand même hein, par tour. Donc on fait de l'amélioration en masse là. Ok, la cité a été reprise sur les arrières, parfait. Ah, on nous attaque. Bah lançons la bataille. Bon, comme d'habitude, hein, on va tenir la... comme le feu, destructeur et invincible. Là, pour se répandre, on serait répandu. Vos paroles sont nobles. Faisons leur honneur. Toujours. L'inconnu est périlleux. Prenez garde. C'est fou le nombre de la famille, quand même, qui sont généraux. Hein. L'ennemi. Pas de quartier. De toute façon, c'est avec les Grecs, Total War 3, non? Ou c'est quoi? C'est le prochain Total War? Non, je sais plus. Tu m'as répondu. D'accord, il a été annoncé. Ouais, enfin, il est pas annoncé avant un moment, j'ai l'impression, hein, donc il y a le temps. Il y a le temps avant qu'il sorte. Ou alors ils vont le sortir pour Noël ou un truc du genre. On va se mettre ici. L'idée c'est que on ait quasiment rien qui nous gêne. Ah quoique, si on n'est pas trop mal placé là. On sera pas trop gêné par quoi que ce soit. Comme ça on pourra prendre la petite pente ici. Ok, toi tu vas tenir ce flanc là. Ok, les archers. On n'a pas beaucoup d'archers dans cette armée là. On a surtout de l'infanterie et après bah, on va tirer aux catapultes. Faites-vous plaisir les gars. Quoique on pourrait avancer tout ce Encore beau monde. Des renforts ennemis arrivent. Vous essoufflez pas, il n'y a pas besoin. Allez, on va accélérer le jeu le temps que tout le monde débarque. Ce sera mis en position normalement. On va juste faire attention de où se trouve la cavalerie adverse, mais dans l'idée, on aurait peut-être pas mal. Ah, j'ai pas tous les trucs que je veux, malheureusement. Ok, ils sont là-bas.
Est-ce qu'ils commencent à venir par le plus grand des hasards? Non, pour l'instant ils attendent de se regrouper, parfait. Alors comme c'est eux qui attaquent, hein, comme d'habitude, c'est eux qui vont devoir nous attaquer, sinon, enfin qui vont devoir prendre l'initiative. S'ils ne le prennent pas, ils finiront par perdre la bataille, donc pas de soucis. Et la cavalerie est du bon côté pour nous, donc c'est parfait. Alors, il y a du capitaine d'infanterie armée de Jeanne. Ça fait flic. Bon, il y a de la milice montée armée de lance, mais ça devrait aller. Il y a de l'arbalète, à ce que je vois. Les lanciers lourds, ça c'est gênant. Le reste, ça devrait se gérer. Bon, pour l'instant. Ils ont l'air d'être plutôt frais. Il y en a qui sont un peu essoufflés, mais ouais, il y a une armée de Jeanne, ils sont un peu de Chiane, ils sont un peu essoufflés. La cavalerie, bah, ils aiment pas trop la neige, ça c'est normal. Allez les gars, vous pouvez le faire. Vous avez des boulets de trébuchets à vous prendre sur la tronche. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils avancent comme une seule ligne, mais ils vont se prendre des trucs comme une seule ligne aussi. Alors on va certainement viser la première ligne pour que ça touche également les archers derrière, puisque cette fois-ci, les archers ne sont pas en première ligne. Ce qui est pas une mauvaise idée pour eux. Ah ouais, ils avancent vraiment tranquillement quoi. On va mettre pause pour synchroniser nos tirs. Allez-y les gars. Ouf! 33 et 42. Bon bah ça va. Je crois qu'il y a du monde de toucher là. Les guerriers ennemis D'accord, ah oui! On a déjà flingué le général adverse, ah bah c'est parfait ça. Bon bah je crois qu'il... Regardez-les fuir! Lâche! Voyons voir. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils prennent. Hein. Ah bah ouais, un général qui fuit. Bah il vient de se reformer, mais... De toute façon, ils vont arriver, ils vont être crevés, hein, clairement. Ah, ils venaient de se reformer. Alors, je sais pas pourquoi ils font attendre leurs archers, mais... L'ennemi s'enfuit! Des lâches! Lancez les projectiles! Chargez les catapultes! Feu! Envoyez les
projectiles. Catapulte. Ah mince. Noyez-les sous les projectiles. Projectiles, feu. Ok. Allez, on y va. Pour l'instant, ça touche pas trop, mais si on va laisser comme ça. Regardez-les fuir. Lâche. Cavalier. À l'attaque. Artillerie. Que pleuve la mort. Actionnez les catapultes. Ok, il y en a qui sont pas arrivés au contact encore, qui sont déjà en train de se faire défoncer la tronche. On va éviter les gardes lanciers. Lâche. Pas besoin de se faire attaquer par les gardes lanciers, c'est pas nécessaire. Chargez les catapultes. Artillerie écumée de rage. Plus vite que ça. Ok, ils foncent dans le tas, j'ai pas trop compris, mais pourquoi pas. Remuez-vous. Épée. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Protecteur des cieux. Hache au sort. Ok. Ils sont plaisants. Au combat. Cavalerie, au sort. On va reculer, on va venir. Allez, ici. Dépêchez-vous, plus vite. Pour l'instant, ils se font charger la tronche. Moi, ça me va. À l'attaque. J'ai pas compris pourquoi elle a foncé sur mes unités, mais bon. Pourquoi pas, hein. Préparez-vous. Hâtez-vous. Marchez. Guerrier, écoutez-moi. Plus vite. L'heure est venue. Catapulte, paré. Regardez les fuir. Lâche. Bon les gars, vous nous avez attaqué, c'est sympa, mais faudrait faire quelque chose maintenant. Cavalerie, paré. Lame, paré. Détruisez-les. Allez, on continue un petit peu l'assaut, s'il vous plaît. Plus vite. Paré à tirer. Ok, bah ça a tout fui. Quoique, on va peut-être se charger de... Il y a qui encore vivant là-dedans? Ils ont pas tous fui? Allez, on y va. On va essayer de faire un peu de massacre, histoire que... On élimine quelques unités supplémentaires. Ouais, quand le général fuit au premier tour, généralement au premier tir de trébuchet, ça annonce pas du beau. Hein. Généralement, c'est que ça va piquer un petit peu. Hein. Ouais, l'infanterie armée de sabre, ça peut disparaître, ça m'aiderait pour la prise de la ville. Ça c'est quoi? Infanterie armée de sabre, ouais, ça peut disparaître aussi. Ouais, il y a un peu de milice, bon allez. On va arrêter le massacre. Et on devrait être bien là. Bon, ils avaient 900 hommes, on en avait que 500. Bon, ils ont à peu près 300 hommes maintenant. Donc la ville devrait pouvoir tomber. Plus facilement en tout cas.